Et si on parlait des réseaux sociaux? Aujourd'hui, Complément Design reçoit Frédéric Canvet. Bonjour Frédéric. Hello. Ça salut, va bien? salut. Bah oui, toi. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter puis expliquer ce que tu fais? Alors, c'est vraiment très simple. Ça fait à peu près 18 ans que je suis sur le web. En fait, comment je suis arrivé d'ailleurs dans le marketing, c'est assez drôle. Alors, je suis assez vieux, hein, j'ai 43 ans. Et donc, en fait, en 97, j'étais à l'armée. Au service militaire, ça existait encore à l'époque en France. Et tu connais, comme tu viens de France, tu vois un petit peu ce que c'est. Pendant 9 mois, tu es enfermé dans une caserne. En plus, j'étais à Châteaulin, donc on pouvait pas trop sortir. C'était un peu au plus mieux de tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie, Fred? Et moi, il y avait deux choses qui m'intéressaient, c'était le marketing et les jeux vidéo. Et donc, en sortant de l'armée, je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'ai fait un desk market. J'ai travaillé dans les jeux vidéo pendant à peu près 6 mois, 1 an. Et puis après, j'ai rejoint une startup web. Et en fait, ça m'a vraiment éclaté. Comme tous les startups, ça fait startup et puis ça fait start down. Et donc après avoir travaillé quasiment 6 jours sur 7 de 9h à 21h, 22h tous les jours, c'était vraiment hyper formateur, etc., etc. Enfin bref, c'est un petit peu le style. J'ai rejoint un gros éditeur de logiciels de gestion de comptabilité et après j'ai pas trop quitté ces milieux-là. Ça fait, je pense, 13 ans, 14 ans que je suis product manager dans le domaine des logiciels de gestion. Donc product management, c'est vraiment la stratégie, c'est écrire du texte, c'est définir des trucs, faire des présentations, faire du blabla. Puis en même temps, en fait, ça me manquait un peu d'époque startup de pouvoir créer des trucs. Oui. Et donc j'ai monté mon blog. Au début, c'était en fait pour monter une startup avec des potes, on voulait monter une petite startup en 2006. On n'a jamais monté parce que mes potes étaient développeurs perfectionnistes et à chaque fois, il fallait, non, mais on va refaire tout. Il fallait tout refaire. Et donc, finalement, mon blog a perduré et, comme j'écrivais des trucs à l'époque, c'était rare qu'il y ait des trucs de qualité sur le site web parce que moi, en fait, le blog, c'était ma checklist pour lancer un vrai business. Et le blog a continué. J'ai eu des demandes comme ça de temps en temps. J'ai créé mes premières formations vidéo, mes premiers e-books. Je dois être en 2009, c'était la première formation en blogging en 2009. Enfin, 1000 clients à l'époque, c'était le best-of qui a été… à l'époque, il était encore très peu développé. Et donc là, actuellement, j'ai toujours ces doubles activités. Donc le jour, product manager chez un éditeur de gestion. Là, je travaille chez un éditeur de solutions de gestion de la relation client, centre d'appel, etc. Et le soir et le week-end, comme j'ai gardé le virus, je suis toujours consultant. Et c'est vrai que un peu c'est practice what you preach, comme si il se dit voilà comment gagner de l'argent, comment on peut développer son business. Si moi-même j'arrive pas à le faire dans les conseils, ça va pas. Donc en fait, tu vois, par exemple, la boîte conseil marketing, c'est à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Alors ça dépend des années, puisque en fait, je suis papa aussi d'une petite fille de 3 ans et peut-être bientôt même d'une deuxième. À chaque fois que j'ai eu une année comme ça avec soit un changement de job, soit un enfant, boum, le chiffre d'affaires redescend et après il remonte et puis voilà, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc ça c'est en quelques mots ce que je suis ce qu'on appelle un slasher. Un slasher, c'est des gens qui ont une double activité. Voilà. Bravo. Et on te voit pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai rencontré sur LinkedIn. Comme tu le sais, je m'occupe de créatifs. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des plateformes qui étaient vraiment préférées pour les créatifs ou des… Il y a différents types de plateformes, mais voilà, à quoi elles servent, comment elles sont? Alors, en fait, moi, je dirais qu'il y a des plateformes génériques et il y a des plateformes métiers. Alors, la plupart, en fait, des créatifs… parce que moi, j'ai plein d'amis qui sont freelance, en tant que créatif, les gens qui font de la vidéo, les gens qui font du site internet, etc., etc., etc. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer les choses. Les réseaux généralistes, c'est ce qu'il y a de plus simple. Même qu'on soit freelance, qu'on soit TPE, PME, etc. Pour moi, il faut être présent dessus parce qu'en fait, c'est ton carnet d'adresse, c'est ta visibilité, c'est comme ça que tu peux avoir ta première client. Moi, je dis toujours, un freelance, au départ, comment il va avoir ses premiers clients, c'est son réseau. Et pas le réseau virtuel, enfin, un peu le réseau virtuel, mais aussi le réseau physique. C'est tes potes, tes anciens collègues, tes collègues de fac, etc. Je donne un exemple, j'ai un de mes potes, en fait, qui a quitté un éditeur de logiciel de gestion, qui s'est mis, en fait, en tant que coach.
son premier réflexe, c'était d'avertir tous ses collègues de bureau, tous ses anciens, enfin anciens collègues de bureau, anciens collègues, machin, contacts, et blablabla. Il envoyait un petit mail en disant voilà, je viens de me lancer dans telle activité, je suis super content, je suis une formation, je peux aider les gens à faire ceci, cela. Alors pour l'instant, je suis en formation, donc c'est un tarif qui est vraiment limité, c'est 1 € la première consultation, et après bien entendu c'est des tarifs gratuits. Si vous ça vous intéresse ou si quelqu'un que vous connaissez pourrait être intéressé, voilà, je peux lui apporter ça. Et en fait, il a envoyé cet email là à ses contacts, donc il a fait un extract de LinkedIn, parce que sur LinkedIn en fait tu peux extraire tes contacts, tu vas dans le menu de ton compte en haut à droite et tu vas dans confidentialité et ensuite tu vas télécharger ta sauvegarde limitée rapide là. Et en fait, tu peux récupérer tous tes emails de tous tes contacts et bam, tu peux leur envoyer un premier email. Et ça, en fait, c'est là où tu vas avoir tes premiers clients. Donc, c'est pour ça, en fait, que pour moi, le réseau physique, je te dirais que c'est ta boîte auto, les gens que tu connais. Et le meilleur moyen de rentrer en contact avec eux, c'est des outils comme LinkedIn. Alors, LinkedIn, en fait, pour moi, c'est vraiment important parce que, on le sent, il y a 3 ans, 4 ans, ça, tu m'as dit LinkedIn, personne n'y va trop souvent. Maintenant, en fait, ils ont une stratégie, c'est d'aller remplacer Facebook. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent parce que sur LinkedIn, maintenant, tu as vraiment de tout. Tu as des photos marrantes, un petit peu comme dans LinkedIn, tu as des vidéos, etc. Ça, mais c'est une stratégie vraiment claire. Même LinkedIn a ouvert beaucoup son application à des outils qui permettent de récupérer des emails parce qu'en fait, leur but, c'est de devenir le challenger pro de Facebook parce que Facebook aussi a des velléités d'avoir un Facebook pro. Mais les gens, actuellement, ne veulent pas mélanger deux. Moi, je le vois très bien parce que dans le domaine de la relation client, quand tu leur dis, voilà, utilisez votre compte Facebook pour faire des demandes, ils disent, oh non, mais c'est mon compte Facebook, il y a mes photos. En plus, tu vois les photos de profil, souvent, c'est des gens qui sont en vacances ou un truc comme ça. C'est clair que ça fait pas très pro. Donc, voilà. Donc, LinkedIn, pour moi, c'est indispensable quand tu es freelance, quand tu es dans le domaine artistique, etc. Donc, il y a 2 possibilités. 1, le profil. Le profil, c'est vachement important parce que c'est là que tu vas rentrer en contact avec les personnes. Comme je te disais, tu as les entrées en contact direct sur LinkedIn et ensuite, tu as ce que j'appelle moi le travail de son réseau, c'est-à-dire que tu vas synchroniser ta boîte LinkedIn avec ta boîte email et ça, faut le faire grosso modo au minimum 2 fois par an. En fait, tu as des nouvelles personnes avec qui tu discutes et faut les ajouter. Même moi, tu vois, je fais même plus que ça, c'est-à-dire que j'ai dans 2 ou 3 activités où je fais vraiment de la génération de leads dans le domaine de la relation client pour la boîte pour laquelle je travaille là, actuellement. Et ben en fait à chaque j'ai mis en place un système de lead gen pour eux pour générer les prospects et à chaque fois en fait que j'ai une demande de doc donc j'en ai voyons une petite dizaine tous les jours hein, systématiquement j'ajoute les personnes sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait je récupère grâce à leur nom prénom un truc comme ça leurs coordonnées et je les ajoute sur LinkedIn pour pouvoir poursuivre la relation parce que comme je te disais donc t'as cette animation parce qu'en fait moi je dis toujours que les réseaux sociaux ok tu rentres en contact. Ok, après, en fait, faut continuer à animer cette relation-là et donc publier du contenu qui permet en fait de maintenir une relation. Mais il y a très peu de gens qui vont lire régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a le 3e C qui est convaincre. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas extraire 2 fois par an tes contacts et tu vas leur envoyer un email directement. Et donc c'est ça en fait qui est important. Donc LinkedIn et tout ça. Ok, tu ajoutes des contacts. Ensuite, tu publies du contenu. Mais ce qui est super important, c'est extraire les contacts et ensuite leur envoyer des messages. Voilà, le profil doit être à peu près clean et puis voilà. Après, moi, je vais plus loin parce que dans mon domaine, là, qui est le domaine de la relation client, j'essaie également d'aller fédérer des gens qui sont des responsables d'expérience client, des directeurs des études, des directeurs de centres d'appel. Et donc, en fait, j'ai créé un groupe spécial qui s'appelle Bonne pratique, directeur d'expérience client, blablabla. Et en fait, je les ajoute à chaque fois quand ils m'ont accepté sur le réseau, je les ajoute dans ce groupe-là qui me permet de publier régulièrement des actus, d'envoyer une newsletter via l'outil LinkedIn. Donc ça c'est un usage qui est quand même un petit peu haut niveau par rapport à ce que peut faire un freelance, mais sincèrement si quelqu'un peut faire ce niveau que je fais là, c'est un usage qui est très bon de LinkedIn. Deuxième possibilité, c'est pas d'ailleurs une possibilité, c'est une deuxième chose, c'est Facebook. Alors Facebook en fait est là pour créer du relationnel. Je parlais très bien des relations pro, hein, le Facebook du pro c'est LinkedIn. Donc, on publie du contenu, etc. Le Facebook, c'est le relationnel et mettre de l'émotion. C'est-à-dire que c'est là que tu vas publier des trucs un petit peu sur tes projets, des trucs un petit peu perso. Et il faut alterner un peu. Moi, il y a pas mal de gens qui me disent au départ, bah, attends, tu publies la même chose sur ton Twitter que sur ton LinkedIn ou sur ton Facebook, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça, en fait, que maintenant, je publie des petites vidéos, je prends des vidéos off, je publie des images. Quand je vois un truc dans la rue, je le prends en photo, etc., etc. Ça me permet de créer du lien.
Après, en fait, encore une fois, comme dans LinkedIn, j'ai aussi des groupes. Et par exemple, je suis co-animateur du groupe Community Manager francophone. Et tous les jours, tu as une dizaine de demandes. Et en fait, ça me permet d'être, entre guillemets, référent dans le domaine et me refaire un peu de la pub de temps en temps sur ce groupe-là sans trop abuser. Facebook est également un excellent outil pour faire du Facebook Live. Tu vois, par exemple, notre interview de là, c'est très bien d'avoir un enregistrement. Mais moi, je préconise beaucoup aussi, par exemple, quand tu fais ton interview là, tu devrais mettre à côté ton téléphone et faire un Facebook Live. Et tu devrais me dire, tiens, voilà, on est sur Facebook en même temps et on fait du live. Et comme ça, tu seras en multicanal. Tu aurais ce truc-là pour l'enregistrement, etc. Et tu aurais le live pour animer ta communauté et également, en fait, pomper un peu de ma communauté à moi parce que j'aurais partagé sur mon réseau. C'est ça, en fait, l'intérêt du live. Hein. L'intérêt du live, c'est que, en fait, tu vas être présent grâce à la petite notif, hein, machin est en live, et ça permet d'être présent sur ta communauté. Et ça crée aussi de l'émotion. Comme je le disais, dans un monde où en fait tout est gratuit, et c'est pas facile de savoir quel est le prix des gens, il y a une valeur importante, c'est le temps. C'est de pouvoir leur poser tes questions à toi. Et être en live comme ça et dire aux gens, posez-moi vos questions, je réponds. Ça a beaucoup de valeur et ça crée des trucs sympas. Et puis en plus, en live, tu sais, il y a toujours un truc qui ne marche pas bien, donc des gens aiment bien regarder ça. Mais encore une fois, il faut être super concis. C'est pour ça que je te disais que quand je fais une interview, je note tout bien parce que autrement, c'est chiant, quoi. Sincèrement, quand les mecs ils discutent, ils parlent de trucs pas intéressants. C'est pour ça que moi, j'ai un débit souvent qui est assez important. Les gens me disent, ouais, tu parles vite, tu dis beaucoup de choses, machin. Mais c'est pas sûr, c'est important. Voilà. D'accord. Juste pour revenir sur Facebook, tu disais de mettre aussi des choses perso, entre guillemets. Okay. Quand c'est perso, c'est préparé, c'est-à-dire, comme tu dis, un petit peu tes photos comme ça, ou c'est vraiment perso-perso sur ta famille, tes enfants, tout ça? Tu fais quand même une limite qui est une perso mise en scène. Donc, oui, par exemple, ma fille, je ne la mets jamais en photo. Jamais. Parce que déjà, voilà, c'est pas. Tu sais jamais sur qui tu tombes. Hein, et donc, faut jamais. Enfin, voilà, je ne mets pas photo d'enfant. Ma femme, par exemple, à chaque fois qu'on part en vacances, elle me dit non, ne poste pas sur Facebook parce que les gens ils connaissent notre adresse. Si tu leur dis que t'es parti en vacances au Portugal, je peux te dire nous cambrioler. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça. Ouais, donc toi, et puis bon, j'essaye de pas mettre des trucs négatifs. C'est important parce que c'est positif de base. Mais en fait, c'est ça qui est. Faut montrer un peu les coulisses, faut montrer des trucs fun, des trucs qui donnent envie. Et par exemple, souvent, avant que je sorte un article sur mon blog, eh bien, je fais une petite compile d'images que je dis, tiens, voilà ce qu'on va retrouver, par exemple, lundi dans mon prochain article. Ou voilà un petit teaser, en fait. Après, aussi, mon profil de Facebook est pro et perso. Donc, c'est pas évident parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignent parce que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Par exemple, aussi, je mets des photos de mes vacances. Mais il y a des gens qui disent, ouais, ça me fait un peu rêver. Grâce à vous, en fait, je découvre des trucs. Il n'y a pas que du marketing. Voilà. Donc, je pense que c'est important pour un tant que freelance et pour une entreprise, là je parle du TPE, PME, pour une entreprise Facebook, il y a un bon moyen de montrer les coulisses de la boîte en mettant les bureaux, en mettant une préparation d'un événement parce que les gens de plus en plus, ils auront le choix d'acheter entre plein de marques. Et en fait, le fait d'avoir cette petite différence permet en fait d'être plus humain et de dire tiens, ils me paraissent sympas, ils me paraissent pro, etc. Très bien, donc c'est vraiment. Je voulais juste entendre cette petite subtilité parce qu'on en a déjà parlé aussi. On me posait la question si c'est vraiment pro, perso, jusqu'où on va. Donc c'est très bien expliqué comme ça. En fait, j'avais créé un profil perso-perso et finalement, j'arrive pas à m'y tenir parce que c'est trop compliqué de switcher de l'un à l'autre. Et non, j'en ai pas non plus, je te comprends. Ouais, c'est trop compliqué jusqu'à présent. D'accord. Alors après. Une fois que t'as ces deux gros réseaux, t'as aussi les autres. Alors on a parlé Twitter. Pour moi, c'est Twitter, c'est de l'automatisme beaucoup. Parce que malheureusement, il faut s'y rendre vraiment au cœur du sujet, c'est que Twitter, t'as peu de monde qui sont dessus. Par contre, c'est un excellent outil pour rentrer en contact avec des gens, pour diffuser de l'info de temps en temps, faire un peu de promo. Ça génère un petit peu de lead, c'est beaucoup moins fort, mais c'est assez intéressant. Donc moi, je dis toujours, il faut y être sur Twitter, mais il faut pas y passer trop de temps. Moi, j'ai pas la formule magique. Il y en a d'autres qui le font. Hein. Moi, j'essaie d'automatiser un max de trucs, de la publication, des messages automatiques. Mais ça me permet quand même de discuter avec des gens. Donc, en fait, c'est la discussion, même, elle est quasiment plus forte sur Twitter que sur Facebook. La discussion où elle est encore plus forte, c'est LinkedIn. Vraiment, LinkedIn,
J'ai redécouvert l'outil il y a 3 ans et c'est vrai que maintenant, je commence vraiment à bien maîtriser le truc et c'est, en pro, c'est vachement, vachement plus fort. Voilà. Donc, Twitter, comme je disais, il faut y être. Ensuite, un blog, c'est important. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, le blog, c'est pour le référencement naturel sur Google. Si tu veux, si ton objectif à toi, c'est d'être sur Google, ben, il faut que tu aies un blog. Malheureusement, il y a pas d'autre choix. Parce qu'en fait, le blog te permettra d'être présent sur des mots-clés, montrer ton expertise, montrer ce que tu sais faire, générer du trafic, faire de la conversion, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, il y a des réseaux accessoires qui, pour moi, sont pas indispensables, mais qui peuvent servir si on a un petit peu de temps. Par exemple, YouTube Vimeo. Moi, en fait, ben, par exemple, la vidéo que tu as là, toi, tu la remets sur, je pense, sur YouTube, sur Vimeo, oui. Donc ça fait un peu de trafic. Maintenant, je systématise aussi la transformation de toutes mes vidéos en podcast. Et donc, par exemple, une interview comme ça, moi, après, j'enlève le MP3 et j'en fais un podcast que je mets sur SoundCloud ou sur Audioboom. Et après, ça va sur iTunes. Et mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui me disent « Je te connais grâce à ton podcast ». C'est assez fou. Tout simplement parce que il y a plein de gens qui s'emmerdent pendant les transports. Et les connexions Internet sont bonnes, mais c'est pas encore génial. Et donc, les gens, ils ont une attention qui est vraiment très forte. Ils sont comme ça. Même moi, tu vois, j'écoute des podcasts dans les transports. Et en fait, ça leur permet d'écouter un truc avec une très forte attention, souvent une bonne valeur ajoutée. Et sincèrement, ça marche pas mal. Et il y a moins de concurrence. Il y a très, très peu. Enfin, par rapport à YouTube, il y a très peu de concurrence. Voilà. Bon, il y a peu non plus d'auditeurs. Pour moi, celui qui fait le plus de... d'écoute en termes de podcast, ça doit être quelqu'un comme Jean Rivière, et un truc comme oui. Ça, il fait comme 1500 écoutes, hein, ce qui est comme beaucoup, mais c'est loin quand même de ce qu'il y a sur YouTube où les gens peuvent vraiment exploser le trafic. Mais bon, voilà. Encore une fois, le podcast, c'est juste un outil. Si t'as pas une mailing list, si t'as pas des moyens de pousser dessus, comme sur YouTube, ça sert pas grand chose. Voilà. Après, au niveau graphisme, Pinterest est quand même pas mal. Moi, j'utilise surtout pour mettre des illustrations. Et encore, je n'utilise pas suffisamment bien. Par contre, à un moment donné, j'utilisais beaucoup SlideShare parce que je faisais beaucoup de presse, beaucoup de démos, beaucoup de formations. Et c'était un outil qui était assez intéressant. Mais depuis qu'il a été racheté par LinkedIn, en fait, on voit comme la portée, le trafic est beaucoup moins fort. Alors, de deux choses l'une, soit en fait, les mecs qui avaient avant et qui surestimaient les vues, ce qui est possible, soit en fait, c'est devenu moins prioritaire sur LinkedIn. Je pense qu'il y a un petit peu les deux. Puis les derniers points, c'est ce que tu disais auparavant, les sites métiers. Alors pour moi, les sites métiers, faut vraiment distinguer deux types de sites. T'as les sites métiers entre freelance, ou entre professionnels, où chacun montre un petit peu ce qu'il fait, etc., comme tu disais, les spécialisés. Et après, t'as les sites, en fait, de mission, qu'on peut voir, Upwork, Fiverr, 5euros.com, tous ces trucs-là. Malheureusement, en fait, ou rédacteur.com dans le domaine de la rédaction, ou Sexmaster, hein, dans le domaine de la rédaction aussi, ou Textbook, en fait, ce sont des sites, en fait, qui sont pour moi tout moins 10 ans. C'est bien un petit peu pour se faire la main quand on est un petit peu débutant, mais pour quelqu'un qui est professionnel, il ne gagnera jamais sa vie. C'est vraiment un truc low cost et tu peux pas, en fait, gagner ta vie correctement avec ça. Voilà. Mais ça peut être intéressant. Donc voilà. Après, donc dans les deux distinctions entre les sites de professionnels qui parlent à des professionnels et souvent à leurs confrères, ça peut être intéressant. Moi, je préconise plutôt d'être présent sur des sites qui donnent de la visibilité sur les clients. Par exemple, un guest posting sur un article de blog, comme par exemple webmarketing.com, qui est un très bon blog sur le marketing. Hein. Pour moi, c'est plus pertinent d'aller s'amuser à faire ça que de passer des heures sur des forums. Sauf si vous allez sur des forums de clients ou d'une communauté, et là, c'est intéressant. Moi, de temps en temps, comme ça, me demande des demandes de presta, d'infos, etc., etc. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment deux choses. Après, tu as les forums aussi pro, hein, qui t'apprennent des choses. Et c'est quelque chose qui est intéressant quand tu es un pro parce que tu peux avoir, c'est des trucs d'astuces. Mais c'est plus pour te former, toi, c'est vraiment pour avoir la visibilité et les clients. Voilà. Parfait. Et comme tu as bien détaillé tous les différentes plateformes, est-ce que tu pourrais expliquer la plus grosse erreur ou les plus grosses erreurs que font les gens quand ils se lancent sur le net par rapport à ça, justement? C'est vraiment simple. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je crois tout le temps des gens qui me disent, parce que je fais des petits ateliers régulièrement en fait à Courbevoie, parce que c'est juste à côté de chez moi, c'est un quart d'heure à pied, et puis il y a des créateurs d'entreprise, et à chaque fois, tu as 30, 50, 100 créateurs d'entreprise dans la salle,
Et à chaque fois, j'ai toujours le même truc, c'est dire, ouais, il paraît que Facebook, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il paraît que les blogs, c'est mort. Oh, il paraît que le podcast, ça marche super bien. En fait, c'est des gens qui prennent les trucs à la mode, en fait. Ils lisent un truc, ils disent, oh putain, ouais, c'est le truc génial. Alors, en fait, c'est pas ça, en fait, qu'il faut prendre. Alors, comme je le disais, au départ, quand on se lance, ça sera de toute façon le réseau qui sera le plus important. Donc, il faut se baser sur ce qu'on a actuellement comme outil. Parce que de toute façon, un blog, il faudra aller 6 à 9 mois avant que ça donne quelque chose, sauf si tu as des stratégies de génération de contenu, bien sûr, et de génération de trafic qui existent. Mais voilà, ça mettra beaucoup de temps. Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., ça mettra aussi du temps. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut choisir le canal où sont présents tes clients. C'est ça qui est vraiment important. Ça sert à rien d'aller sur Facebook si tu vas vendre à des pros. Enfin, quoi que si tu peux y être quand même, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Par contre, si tu vends à des particuliers, LinkedIn, ça peut être un peu compliqué, même s'il y a des stratégies quand même. Donc, il faut savoir où sont les clients et surtout, en fait, comment tu vas pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bons à l'oral et là, forcément, ben, un podcast, YouTube, etc., ça va être bien. Il y a des gens qui savent pas du tout expliquer. Des gens qui sont bah, ils disent non mais un article de blog oh non c'est trop compliqué, j'arrive jamais à écrire cette si vous mettez une semaine à écrire un article de blog, c'est pas la peine, il faut passer son chemin, il faut aller faire autre chose, faut trouver un autre outil. Si vous êtes quelqu'un de super analytique, que vous savez mesurer les conversions, que vous savez vous aimez bien en fait mesurer qu'est-ce que ça donne comme résultat, faire des tests et tout ça, alors là mais lancez-vous sur Facebook Ads quoi. N'essayez même pas de créer un blog si ça vous prend du temps et si vous n'avez pas les moyens. En fait, c'est un peu comme partout. Il faut capitaliser sur ses forces et pas essayer de compenser ses faiblesses. Et donc, en fait, il faut choisir la plateforme ou le canal qui va être en rapport avec ce qu'on sait faire. Donc, on ne fera pas de YouTube si on n'est pas à l'aise. Il faut choisir vraiment la plateforme selon ses capacités à soi. Et donc, la première erreur pour moi, c'est ça, c'est vraiment la plus grosse. C'est aller à l'effet de mode. Aller à l'effet de mode, c'est tiens, bah, je lance sur Facebook Ads, par exemple, ou actuellement, là, il y a une grosse mode, mais pas dans le domaine graphique, mais qui est dans le domaine du marketing en général, c'est le dropshipment. Tout le monde dit ah, purée, il y a plein d'argent à faire, tu gardes pas les produits, etc. Et là, j'étais encore en train de discuter avec une personne que je connais depuis quasiment 10 ans, qui était chef d'entreprise, qui a fait plusieurs boulots, etc. Puis là, maintenant, il a vu quelques trucs sur le dropshipment. Il a acheté une ou deux formations vidéo américaines. Et puis, il dit, oh, j'ai tout compris. Oh, le plus dur, c'est d'avoir les premiers 200 dollars. Mais après, c'est super facile. Et je lui dis un peu, mais attends, les premiers 200 dollars, va les faire, quoi. Et puis, c'est pas une méthode miracle. Il faut travailler. Si t'as pas du budget, si t'as pas fait un peu de Facebook Ads, si t'as pas fait de relationnel, si t'as pas de mailing list, tu vas mettre un petit peu de temps à faire marcher ton business. Et en fait, il faut pas se laisser avoir par les vendeurs de rêves qui te montrent en fait des chiffres mirobolants, etc. Si t'es pas capable de faire, enfin, si tu te sens pas capable d'appliquer cette méthode à fond, et c'est ça qui est important, il y a beaucoup de gens aussi, c'est ce que j'appelle moi les collectionneurs. Et ça, je le vois tout le temps, c'est des gens en fait qui achètent les formations vidéo des gourous. Et quand je les vois, ils me disent, ouais, j'ai acheté la formation de Max Bidule. J'étais au séminaire de Sébastien Bidule. J'ai été au tu passes ton temps en formation ou acheter des formations vidéo, mais quand est-ce que tu passes à l'action? J'avais comme ça une expert comptable que je connaissais qui était super sympa, qui avait un gros projet et elle avait un site, elle commençait à mettre un podcast en plus, je lui ai dit, c'est une très bonne idée. Je l'ai aidé comme ça une fois ou deux parce qu'on a fait un échange. Elle a monté ma société et moi, en fait, je l'ai coaché un petit peu pour développer son site. Et à un moment donné, j'ai dit stop, parce qu'elle allait. Elle me disait, j'ai pas de temps d'avancer. Et pourtant, elle passait 2 jours, 3 jours par mois à des formations. J'ai dit, mais arrête. OK, tu fais du lobbying, tu fais du partenariat, mais stop, non, n'y va pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens, parfois, qui sont un petit peu dans le rêve ou qui essaient de trouver la prochaine méthode miracle. Donc, voilà. Donc, mon conseil, c'est choisissez le canal où sont vos clients et ensuite mettez en œuvre une stratégie sur laquelle vous êtes à l'aise. Par exemple, il y a des gens qui vous diront moi, aller sur le web, je ne me sens pas à l'aise. Par contre, discuter avec les gens en direct, ça oui. Donc à ce moment-là, je vais peut-être faire un peu plus de networking physique et un peu moins de web. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important. D'accord. Et est-ce que tu as un exemple de quelqu'un
qui marche bien sur le net ou même de toi-même pour expliquer les pas de méthode miracle parce qu'il n'y en a pas, mais expliquer un petit peu ce qui fonctionne. Alors, en fait, je pense que maintenant, c'est devenu extrêmement dur. Je dirais qu'en 2006, quand je me suis lancé sur le blogging, il suffisait d'écrire un super article et d'avoir un bon contenu et finalement, bah, le trafic venait tout seul. C'était vraiment, c'était bien parce que c'était vraiment facile. Maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible, en fait, parce qu'il faut se différencier. Il faut se spécialiser sur ses forces, comme je le disais, mais il faut plus se contenter de faire comme les autres. C'est plus possible de faire juste comme les autres. Par exemple, en fait, moi, j'avais tendance pendant de longues années à écrire juste de bons articles. Maintenant, c'est fini, j'essaie de faire un contenu exceptionnel et j'essaie de faire de la promotion. Par exemple, en fait, mes articles de blog, avant, j'écrivais un article tous les jours, et souvent, c'était juste une petite publicité, une image, une photo que je trouvais sympa. Mm-hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dilué, en fait, mon intérêt et ma force sur plein de petits articles qui n'étaient pas sympas. Et puis, souvent aussi, ça m'arrivait de faire des interviews avec des gens qui racontaient des trucs pas intéressants ou sur un quart d'heure d'interview, il y avait 2 minutes qui étaient vraiment bien. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai arrêté de suivre ton blog maintenant parce qu'il y a trop de blabla ou c'est plus intéressant. Avant, c'était vraiment la référence. Quand j'avais besoin de chercher un truc, j'allais sur ton blog. Et maintenant, en fait, bon, voilà, c'est devenu comme les autres. » Et donc, voilà, je me suis recentré là-dessus. Et donc, c'est vraiment important de donner le meilleur. Et ça, c'est la première. Et même en donnant le meilleur, c'est même plus possible. Pourquoi? Parce qu'il faut créer l'événement. Créer l'événement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu vas pas juste faire un article de blog, mais tu vas faire un truc qui va être, soit ça peut être un dossier, soit ça peut être un dossier de, un article de 2500 pages, enfin, 2500 mots, tu vois, pas 2500 pages. Oui. 2500 mots. Enfin, bref, faut faire un truc qui soit vraiment exceptionnel. Et ensuite, il faut en faire la promo derrière. C'est ça qui est important. Moi, quand j'écris un article, j'essaye après de mettre en place tout un système de promo derrière, soit avec des influenceurs, soit avec ma liste, etc., etc. Autrement, on voit d'autres sujets qui marchent très, très bien. Par exemple, il y a un blog qui s'est lancé il y a quelques années de ça, c'est Marketing Mania, avec Stan Leloup, d'ailleurs, qui m'a interviewé à un moment donné. Lui, ils ont bien joué sur deux choses. Ils ont fait deux choses qui leur ont permis d'avoir un succès. Le premier, c'est qu'ils ont fait un podcast très sympa sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, ils ont été, comme tu disais, sur un secteur qui est beaucoup plus, intrusif, plutôt immersif dans ta personne et aussi moins concurrentiel. Donc, en fait, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été vraiment le succès pour eux, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont fait de l'infotainment. Et ça, c'est ce qu'on va arriver de plus en plus. L'infotainment, qu'est-ce que c'est? C'est à dire que tu donnes de l'information, mais en amusant les gens. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien ce qu'on appelle le content snacking. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plus le temps, quoi. Ils veulent un truc facile à digérer, ils veulent la méthode miracle. À chaque fois, moi, je le vois, c'est sur Facebook, toutes ces fameuses, je sais pas si tu as déjà vu ces recettes où les mecs en accéléré montrent comment faire une super recette, tac, 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 tu vois toutes les recettes et tu te dis, waouh, c'est génial, c'est super. Et donc, en fait, souvent, c'est ça un peu la recette miracle. Donc, Marketing Mania, donc un podcast. Ensuite, un truc intéressant, l'infotainment, c'est-à-dire qu'ils ont repris, en fait, le Loup de Wall Street, qui est un film assez marrant avec DiCaprio. Et ils ont marqué comment convaincre ou comment vendre avec en utilisant les techniques du Loup de Wall Street. Et donc ça, c'est de plus en plus qu'on voit aux States. Et en fait, c'est des gens qui utilisent des extraits de films, des extraits de musique et tout ça, et qui rendent un truc vachement sympa. Alors par contre, c'est beaucoup de boulot, hein, parce que pour faire une vidéo comme ça, c'est compliqué. On a un autre aussi qui s'appelle Franck Maes, qui est dans le domaine de la vidéo, et lui, il vend des formations vidéo. Et notre ami Franck Maes, lui, il se distingue en faisant, par exemple, il a fait un rap. Son rap, c'est des petits conseils pour prendre des vidéos avec ton iPhone. Et en fait, tu vois, il a fait sous la forme d'un rap, c'était super bien filmé. Et vraiment, tu te dis, waouh, c'est de l'infotainment. Il a sorti encore un truc il n'y a pas très longtemps avec un truc genre le Jedi ou je ne sais quoi. Alors, je n'ai pas regardé parce que je trouvais ça moins fun, c'était moins infotainment que l'autre, mais ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, l'infotainment, tu peux le faire de n'importe quelle manière. Tu peux le faire là, comme un montage vidéo. Moi, je le fais, par exemple, aussi sous la forme de dessin. J'ai un graphiste, en fait, freelance, qui travaille pour moi. Et en fait, je lui ai fait faire à peu près une cinquantaine d'images, entre guillemets, humoristiques, sur le domaine du service client. Et en fait, ça me permet en fait de rentrer sur un autre niveau, parce que les gens, comme ça, ils préfèrent quand même une petite image qui va être vachement plus rapide, facile à partager, et tu synthétises en fait ton idée. Voilà. Après, autrement, ouais.
Vas-y. Pardon, je te... Là, par rapport à ce que tu dis, c'est déjà quand tu as un certain niveau, on va dire, parce que tu parles de montage, etc. C'est peut-être pas la première chose que tu fais quand tu te lances, c'est ça? C'est une fois que tu as déjà un petit peu d'expérience. C'est un peu différent parce qu'en fait, Markmania, comme je disais, même déjà qu'ils ont fait trois piliers pour leur recette, ils sont totalement lancés. Hein. Ils étaient totalement inconnus. Enfin, c'est Sanelou, je crois qu'ils étaient deux il y a 3 ans. Maintenant, en fait, ils ont un putain de trafic. Donc, le premier, c'était le podcast. Le deuxième, c'était l'infotainment. Mais ils sont allés chercher du trafic ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher du trafic sur web marketing comme. Un autre exemple, tu as Catherine Barr, qui est une fille qui est en Suisse et qui s'est spécialisée dans le Facebook Live. C'est devenue vraiment la prêtresse du Facebook Live. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle avait son propre Facebook Live, mais en fait, elle a proposé à webmarketing.com de faire un Facebook Live toutes les semaines. Et donc, elle avait l'émission Facebook Live webmarketing.com et maintenant, elle a sa propre émission live. Donc, elle a été chercher le trafic là où il faut. Donc, ça veut dire que tu dois aller attraper le trafic où il faut. Et par exemple, ce genre d'interview aussi, c'est une excellente manière d'aller chercher du trafic parce que moi, bien sûr, je vais relayer notre interview sur mon blog, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est important d'aller chercher du trafic. Et je reviens sur Marketing Mania. Leur troisième pilier qu'ils ont fait, en fait, pour avoir du trafic, c'est qu'ils ont donné quelque chose gratuitement qui avait extrêmement de valeur pour les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné tout simplement une formation sur Facebook Ads qui était le sujet à la mode. Donc, si tu veux comme ça être super connu dans ton domaine d'activité, donne quelque chose de gratuit alors que tout le monde le vend. Et c'est ce que moi, je faisais au début sur Conseil Marketing. Hein. Il y a 10 ans de ça, et j'ai eu plein de mecs qui, au début, qui m'envoyaient des mails, qui disaient « Mais attends, t'es en train de donner des trucs que nous, on vend. » Parce que les mecs, ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un contenu sympa. Alors après, ta notoriété, tu peux aussi l'utiliser d'autres manières. Par exemple, j'en ai aussi un autre exemple, c'est Frédéric de Bayeul. C'est un mec, en fait, qui est formateur et il a lancé sur Scoop.it un truc qui s'appelle Formation 2.0. Donc, il agrège tous les jours sur Scoop.it, en fait, plein d'astuces, des trucs sympas. Et lui, c'est ça son gimmick, c'est ce qui lui permet, en fait, d'avoir son trafic. Il y a une autre nana qui est une ancienne journaliste qui a été virée parce qu'en fait, virée par social parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le milieu du journalisme est difficile. D'ailleurs, j'en sais quelque chose parce que j'ai monté un magazine avec un pote en 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. Enfin, bref, on a monté un magazine papier et vraiment, on s'est planté la gueule parce que le magazine papier est devenu extrêmement dur maintenant. C'est très compliqué, il faut que tu maîtrises tes charges, tout ce coup, etc. Et donc, elle est partie de, je crois que c'était l'expansion, et elle a monté en fait une veille tous les matins à 7h30, ça s'appelle Flash Tweet, et elle envoie tout ce qu'il faut savoir sur le domaine du marketing digital. Et comme ça, elle se crée une communauté super active et elle est devenue comme ça super influente sur Twitter. Alors qu'il y a 10 minutes de ça, je te disais Twitter, mais il n'y a personne qui regarde. C'est plutôt un truc d'influenceur. Bah, si, il y a quand même des gens qui arrivent à le faire parce qu'elle a une capacité à donner une veille sur un secteur d'activité. Par exemple, j'ai aussi un site, en fait, Social Media Pro. Hein, en fait, qui donne, en fait, moi, je suis abonné à leur newsletter. Pourquoi? Parce qu'ils donnent tout ce qu'il faut savoir sur les médias sociaux. Tu as aussi Marketing Delicious, d'Isabelle, qui est vraiment sympa parce qu'ils font une veille sectorielle sur tout ce qui se passe sur le marketing digital parce que ça évolue un max. Donc voilà, il faut se dire, qu'est-ce que tu peux apporter? Comment tu peux aider les gens? Voilà. Par rapport à ce donc, que je t'ai donné dis... pas un, mais je t'en ai donné au moins 5-6. J'ai vu. J'ai peut-être remarqué aussi un point commun dans ce que tu dis. Quand tu parles de la personne qui fait des podcasts tous les matins à 7h30 ou donner des informations. Ah, pas c'est du tweet en fait, enfin, c'est flash tweet. Oui, pardon, du tweet. C'est aussi d'être persévérant et puis d'être régulier apparemment, c'est ça? Ce qui compte aussi. Ah oui, parce que du coup, elle s'est plantée pendant, enfin, elle n'a rien donné pendant des mois et des mois, mais elle s'est basée sur sa communauté, elle s'est basée sur des influenceurs, elle s'est basée sur des relationnels et c'est ça qui marche. C'est-à-dire que de toute façon, sur Twitter, comme sur un blog, comme sur un podcast, si tu te contentes de faire ça dans ton coin, ça marche pas. Comme toi, si tu te contentais de faire des interviews et écrire des trucs dans ton coin sans faire promo, bah, ça marcherait jamais. Il faut toujours penser à la promotion. Et comme je te disais, dans les années 2006-2010, Google était capable de détecter du bon contenu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bon contenu. Maintenant, c'est plus possible. Et moi, j'ai pas mal de gens comme ça qui font du guest posting sur mon site. Alors, j'ai essayé de réduire parce que j'ai eu aussi pas mal de personnes qui sont plaintes, il y avait trop d'articles invités, il n'y avait plus moi.
il y a plus ma voix sur le site. Et ben en fait, souvent en fait, ils disent bah tiens, est-ce que tu pourrais parler de ci, parler de ça, j'ai sorti une actu, je t'ai cité dans un article et blablabla. Donc en fait, il faut essayer de capter le trafic là où il est. Et pour un jeune qui commence tout juste, enfin, qui disons même pas forcément jeune, mais qui commence tout juste, est-ce qu'il y a la première chose à faire, le premier conseil pour démarrer, ce serait quoi? Alors pour moi, c'est j'ai vraiment le réseau. Tes premiers clients, ce sera pas forcément tes. En fait, tu as la théorie des liens faibles et la théorie des 6 degrés. Ça, en fait, ce sont des théories qui datent d'il y a très très longtemps. Mais en fait, c'est des bases en fait du marketing social entre guillemets et des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie des liens faibles? La théorie des liens faibles, c'est qu'en fait, ce ne sont pas tes liens forts qui vont t'apporter du business ou quelque chose, mais c'est les liens faibles. C'est-à-dire que c'est pas les liens forts, c'est par exemple tes amis proches, c'est pas ta famille, mais c'est les amis de tes amis qui vont t'apporter du lead. Par exemple, moi, un exemple tiens, voilà, assez drôle. En faisant ma technique de réactivation de tous mes contacts sur LinkedIn, et ben en fait je suis re-rentré en contact avec un collègue de fac que j'avais pas vu depuis 18 ans, 1998. Et il m'envoie un message, 19 ans d'ailleurs, et il me dit ah salut Fred, ça fait un moment que j'avais pas eu de tes news. Ben moi je viens d'être fraîchement nommé comme directeur de la relation client dans l'entreprise Deep, et on est en train de repenser notre dispositif. Est-ce que tu pourrais nous montrer ce que fait la société Locant? Et là, on a été en rendez-vous avec eux et ils ont un programme de refonte, un budget très, très important parce que c'est une boîte qui a plusieurs milliers de salariés en France. Et rien qu'avec ça, bah, ça pourrait nous rapporter un prix assez intéressant. Donc, en fait, le réseau, c'est ce qu'il y a en premier. Donc, aller donc, travailler tes contacts, tes amis, etc. Puis, donc, avec LinkedIn, c'est super simple. Mais un email, en fait, tu peux même envoyer un email à tes contacts que tu connais. Enfin, à un moment donné, j'avais mis un tas de cartes de visite, j'ai tous mis sur LinkedIn. Et il y a longtemps, je synchronise mes boîtes. Donc, ton réseau, c'est super important parce que il faut dire à tes contacts ce que tu fais et aux amis de tes amis ce que tu fais. La deuxième chose, c'est la théorie des liens faibles. La théorie des 6 niveaux, qu'est-ce que c'est? La théorie des 6 niveaux, c'est tout simplement, c'est relié à n'importe qui sur Terre grâce à une liaison de 6 niveaux maximum. C'est-à-dire que tu connais un ami, tu connais un ami, tu connais un ami, tu connais un ami, qui connaît en fait la personne. Voilà. Et donc ça, même d'ailleurs avec les réseaux sociaux, je crois qu'on est arrivé à 4,3 ou et quelques de potentiel de reach avec justement des influenceurs, des clients. Et donc souvent, comment tu fais? Tu vas utiliser un système viral. Par exemple, là, tu vois, je viens de sortir mon bouquin, le Growth Hacking. Donc c'est un bouquin sur le marketing un peu plus moderne que qu'il y avait jusqu'à présent. Et donc en fait, dans mon dispositif de promotion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit aux gens, ok, si tu te tagues sur LinkedIn, Facebook, Twitter avec mon bouquin et tu me mentionnes, je t'offre 2 mois de ma formation vidéo, la Star Marketing Academy, une formation continue sur le web marketing. Et comme ça, en fait, j'ai déjà eu à peu près une quinzaine, une vingtaine de personnes, en même pas 10 jours, qui se sont tagués et qui ont montré à leur profil, à leur réseau. Et donc, comme ça, à chaque fois, moi, je le vois, c'est pas un pic des ventes qui est phénoménal. Mais en fait, je vois que j'ai un petit pic, tac, et après, tac, un petit truc à chaque fois. Donc, c'est vraiment important. Après, en même temps, je te dirais que je travaille mon réseau d'influenceurs. Toi, par exemple, pour trouver mes relais de croissance pour mon bouquin, parce que c'est un bouquin papier. Autant pour les bouquins e-book, formation vidéo, je me débrouille un peu tout seul. Et pour le bouquin papier, je veux faire un événement, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas beaucoup de bouquins à vendre, il y en a 1500, 2000. Donc, c'est un petit nombre et je veux vraiment tous les vendre. Donc, en fait, je travaille mon réseau, c'est-à-dire que je suis en train de retravailler les gens avec qui je suis en contact sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Parfois, depuis très longtemps. Et pour avoir leur relais, en fait. Oui. Voilà. Parfait. Ben c'est des réponses vraiment, vraiment complètes que tu as données là. Je te remercie beaucoup. Dans le lien de la description, dans la description, je donnerai tous les liens, tes sites, tes livres, tout ce que tu fais pour qu'on puisse en savoir plus. Et puis, si tu avais le dernier mot de la fin pour tous ceux qui veulent se lancer un peu dans l'aventure, comme toi, tu as commencé il y a longtemps, ce serait quoi comme petit mot? Alors moi, je dirais c'est oser se lancer. C'est ça qui est vraiment important parce qu'en fait, tu as plein de gens qui n'osent pas. Et c'est vrai qu'au Canada, en France, c'est pas pareil. Mais en France, en fait, tu as quand même la possibilité de pouvoir te lancer en même temps que ton job. Et quand tu es freelance, il faut pas hésiter. Le truc, toi,
Je te donnerai un exemple. Là, en fait, j'ai quitté une boîte il y a quelques années. Et en fait, cette boîte-là, maintenant, est en crise. Et en fait, tu as des gens qui étaient dans le studio PAO. Ils avaient un studio PAO interne et ils ont viré tout le monde. Et ils ont externalisé une partie, mais pas tout le monde. Et c'est vrai que dedans, en fait, il y avait deux catégories de personnes. Tu avais les gens qui avaient travaillé un peu à l'extérieur, qui avaient travaillé leur réseau, qui étaient montés en compétences. Et tu as les autres qui étaient restés dans leur train-train, qui étaient restés dans leur boulot. Je suis devenu un hyper spécialiste. Et eux, ça a été soit la déprime, soit en fait, ça a été hyper compliqué et ils ont galéré parce qu'ils n'ont pas pensé en fait à l'avenir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se former tout le temps, il faut se lancer. Même si vous n'avez pas de clients, au départ, ou très peu de clients, c'est pas grave. Montez un blog, montrez vos compétences, montrez ce que vous faites sur LinkedIn, etc., etc. Et essayez d'avoir de la, montrez votre passion, montrez ce que vous aimez, ça c'est vraiment important parce qu'on voit de plus en plus, on va faire confiance à des gens qui ont vraiment une passion et t'achètes pas juste un produit, t'achètes vraiment quelque chose qui est vraiment important, voilà. Et qui est impactant, qui donne de l'émotion. Donc moi, je dirais que c'est, lancez-vous, ou alors, lancez bien sûr en tant que freelance, hein, ou consultant, et tu peux faire les deux en parallèle. Moi, je connais plein de gens qui font les deux en parallèle, et puis, c'est un bon moyen, entre guillemets, de s'auto-former pendant toute sa vie, etc. La deuxième chose, c'est aussi, lancez-vous lorsque vous voulez vous lancer sur un blog, sur YouTube, sur Facebook. Ça coûte pas très cher, ça coûte un peu de temps. T'as juste pas faire, en fait, à réserver du temps. Moi, je te donne un exemple. Au début, en fait, j'avais un peu de mal à créer du contenu, parce que un bébé en bas âge, c'est pas facile de trouver du temps. Tu le fais pendant la sieste, tu le fais le soir jusqu'à 21h, 22h, et à un moment donné, ça fait limite physique. Et donc, en fait, qu'est-ce que je faisais? Toi, j'avais mon téléphone là, comme tu vois ici. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Tous les matins, en fait, entre chez moi et le métro, j'ai un trajet de 7 minutes à peu près en transport. Qu'est-ce que je faisais? Je notais en fait dans les transports le soir, grosso modo, les idées. Et le matin, un jour sur deux, un jour sur trois, quand j'avais suffisamment d'énergie, je prenais mon téléphone et je parlais de temps. Et ça me faisait un podcast. Alors, bien entendu, au début, le son était tout pourrave, mais le but n'était pas là. Le but, en fait, il était d'aller envoyer ça à quelqu'un qui faisait de la transcription offshore et qui m'en faisait en fait une transcription texte que je mettais ensuite sur mon site internet. Voilà. Alors, au début, toi, je suis à plus de 800, je pense, podcasts dans ce style-là. Au début, je mettais juste une petite synthèse, je mettais le podcast en dessous et je m'en foutais un petit peu du son. Maintenant, je suis devenu un peu plus perfectionniste parce que, justement, les gens aussi veulent un peu plus de perfection. Mais en même temps, c'est ce que je te disais, ils aiment aussi un peu les trucs un peu amateurs. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais j'aimais bien l'époque où on t'entendait marcher dans la rue, où on te voit un peu fatigué parce que tu montes des trois étages, où tu devrais parler un petit peu moins vite parce que on voit la fin qui est étouffée, ou alors j'entends la police, ou j'entends quand tu dis bonjour aux gens dans le quartier, quoi. Donc voilà, je veux dire, tu peux trouver, lancez-vous, quoi. Essayez pas de faire un truc parfait. Là, en fait, j'étais en train de coacher un expert comptable il y a pas longtemps, un autre expert comptable. Le mec, en fait, il me disait, c'est super, j'ai réussi à faire mon premier podcast, parce que je lui ai dit, sur le podcast, t'as peut-être une option là-dessus, parce que t'as pas de grand monde, et puis il était bon à l'oral, en fait. À l'oral, il a une voix qui est vraiment agréable, c'est quelqu'un qui est super bon, et par contre, en tapant au clavier, je dirais pas que c'est à deux doigts, mais c'est pour ça, en fait, que je dis, et puis de la vidéo, c'est un peu expert comptable, quoi. C'est pas très fun. Donc, je lui dis, le podcast, essaye, tu verras, ça marche. Et il me dit, ouais, je suis super content, j'ai réussi à faire mon podcast. Je dis, ok, d'accord, très bien, j'écoute. Il y a quoi? Il y a 10 minutes de podcast. J'ai fait quelques petites corrections. Hein. Je dis, ok, d'accord, mais combien de temps tu as mis pour le faire? J'ai mis 4 heures. 4 heures? Oh, c'est pas possible. Si, parce qu'en fait, j'ai écrit tout mon texte. Ensuite, je l'ai lu. Je l'ai pas dit bien. Alors, je l'ai refait à zéro. Puis, je l'ai refait. Je dis, l'objectif, c'est que tu arrives à faire en moins d'une heure, tout compris. Il me dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas arriver en moins d'une heure. Et en fait, maintenant, il y arrive sans problème. Parce qu'il a essayé il fait plus de perfection, il note juste une trame, et voilà, et ça roule ma poule, quoi. Paf. Donc, en fait, il faut se lancer, et au fur et à mesure, on va devenir meilleur. Donc, lancez-vous, n'hésitez pas. On est dans un monde qui est très changeant. Oui. Tout le monde peut se faire ubériser. Et donc, si on n'est pas, en fait, un petit peu en veille, si on n'est pas en fait en perspective d'évolution, à ce moment-là, tu peux te retrouver dans des situations un petit peu délicates. C'est pour ça que moi, le blog, c'est quelque chose qui est important, parce que je dirais pas, c'est mon assurance vie, une bouée. En fait, c'est un moyen pour moi d'être toujours au top,
Parce qu'en fait, je te raconterai une histoire simple. Quand je suis arrivé en fait en 2004 ou 2003, je sais plus quoi, dans une boîte, je suis un gros éditeur international, alors que j'étais dans une startup pendant très très longtemps. Au début, je leur ai dit, putain, les mecs, vous êtes, dans ma tête, enfin, pas dire en face à face, mais ils disent, putain, c'est vraiment la loot. Les mecs, ils vont pas vite et ils connaissent pas les derniers outils. Quand je voyais, ils me disaient, ouais, on a peut-être l'intention d'envoyer une newsletter, mais bon, d'abord, uniquement à nos vendeurs, mais vous n'êtes pas de newsletter prospect, vous n'êtes pas de système d'emailing. Ah, bah, non, c'est tout nouveau. Donc, tu vois, tu vois que les gens étaient un peu asbin. Et puis, 5 ans plus tard, j'ai un stagiaire qui arrive, j'ai un stagiaire qui arrive dans la boîte et qui me dit, ah, mais tu connais pas tel truc. Je dis, oh putain, merde, je pensais tout top. Et c'était lui qui m'apprenait des choses, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, Fred, c'est là, en fait, aussi, que j'ai bougé un peu mes fesses. Et c'est là que je me suis dit, waouh, faut que tu te remettes en question et que tu rappelles toute ta vie, quoi. Voilà. Très bien. Et puis, c'est pas un défaut de pas le connaître, mais c'est un défaut de pas l'accepter. Donc, il faut être ouvert et puis suivre cette vague-là et puis accepter de demander de l'aide à quelqu'un qui a 20 ans, c'est pas grave. Bah oui. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup parce que tu as vraiment apporté beaucoup d'informations. Mm-hmm. Et puis, je vais retranscrire tout ça et puis je te dis à bientôt alors sur Complément Design. Allez, à plus alors. Merci. Bye.